La famille royale britannique s'agrandit. L'une des cousines éloignées de Charles III est devenue maman il y a un mois, comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram le 20 octobre. En légende de plusieurs photos de son bout de chou, Tatiana Mountbatten a célébré le premier mois qui s'est écoulé depuis qu'elle a découvert la parentalité. Quel mois cela a été ! A lancé avec émotion la cavalière, révélant que sa fille, qu'elle a prénommée Elodie, est née le 20 septembre dernier. Ça passe déjà trop vite, a-t-elle ajouté. Membre discrète de la royauté anglaise, la jeune femme de 33 ans est mariée à l'entrepreneur Alexander Dru depuis le 23 juillet 2022. L'heureux événement avait été célébré au sein de la cathédrale de Winchester. Elle avait dévoilé sa grossesse le 16 juin dernier, toujours sur les réseaux sociaux, en montrant des photos de son adorable baby bump, moulé dans une longue robe noire estivale. La naissance du premier enfant du couple doit certainement faire le bonheur du roi Charles III, qui est un grand-père déjà très proche des enfants de son fils aîné, le prince William, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans. Le monarque de 74 ans a en effet souvent été vu en train de s'amuser avec ses deux petits-fils et sa petite-fille et de les taquiner notamment lors de l'événement Trooping the Colour, organisé en juin dernier, pour ne citer qu'un exemple. Il avait alors pris plaisir à effleurer le bras de la fille de Kate Middleton et de son mari, tentant de faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce que celle-ci comprenne qu'il s'agissait de lui. Supérieur à Kate Middleton, la reine Camilla, George, Charlotte et Louis. La famille royale au premier Trooping the Colour de Charles III. Une jeune maman qui a reçu beaucoup de messages d'amour quant à Tatiana Mountbatten, rappelons qu'elle est la fille de Sarah Walker et de George Mountbatten, ancien membre de la Chambre des Lords, qui se trouve être le quatrième marquis de Milford Haven, et la sœur aînée de Henry, comte de Medina. La jeune maman t'a, dans son post Instagram, aussi publié un cliché des magnifiques fleurs reçues en guise de cadeau de naissance de la part de ses proches, mais aussi des très nombreuses cartes de vœux qui lui ont été envoyées pour célébrer la venue au monde de son premier enfant, la petite Elodie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence.